Dans la dynastie des Duvalier, Simone Ovide Duvalier occupe une place singulière en tant que première dame énigmatique et influente. Pendant les 29 ans du règne des Duvalier, père et fils, Simone Duvalier a souvent été considérée comme le pouvoir derrière le trône. En raison de l'étendue de son influence et de son rang dans la hiérarchie duvaliériste, on la surnommait Mama Doc, en référence à son mari Papa Doc. Mais qui était vraiment Simone Ovide Duvalier? Simone Duvalier naît à Léogane en 1913. Elle est la fille illégitime d'un commerçant et intellectuel mulâtre du nom de Jules Fane et de l'une de ses servantes, Célie Ovide. Cependant, très jeune, sa mère l'abandonne et elle passe une grande partie de son enfance dans un orphelinat à Pétionville. Et c'est dans ce lieu qu'elle va recevoir de l'instruction et plus tard, elle va apprendre un métier, un phénomène rare en Haïti à cette époque où l'éducation des filles était négligée. Ainsi, Simone Ovide suit une formation d'aide-soignante. Par la suite, elle trouve du travail comme infirmière et c'est dans l'exercice de sa profession qu'elle fait la connaissance d'un jeune médecin, apparemment timide, nommé François Duvalier. La magie s'opère entre eux et ainsi commence une relation d'amour entre l'infirmière et le jeune docteur. Le couple se marie le 27 décembre 1939 et aura 4 enfants. Marie-Denise, Nicole, Simone et Jean-Claude, leur fils unique. Alors que François Duvalier gravissait les échelons de la bureaucratie haïtienne, devenant ministre de la Santé publique et du Travail en 1949 et remportant l'élection présidentielle en 1957, Simone était toujours à ses côtés. C'était non seulement son épouse, mais aussi sa plus proche conseillère et la personne en qui il avait totalement confiance. Derrière l'allure hautaine de Simone Ovide Duvalier se cachait un certain mystère. En tant que femme influente aux côtés d'un mari au pouvoir autoritaire, elle a souvent été considérée comme un élément clé des intrigues politiques du régime. Son rôle exact dans la prise de décision politique n'est pas toujours clair. Mais de nombreux observateurs ont spéculé sur l'étendue de son influence sur François Duvalier. Néanmoins, elle avait le souci de cultiver l'image d'une bienfaitrice, dispensant la charité aux habitants de Cité Simone, ce nouveau quartier populaire inauguré en 1958 qui allait devenir par la suite le plus grand bidonville d'Haïti. Et c'est ce quartier qui est devenu aujourd'hui Cité Soleil. Simone Ovide Duvalier, en tant que première dame d'Haïti aux côtés de son mari François Duvalier, acquiert une notoriété politique au sein du régime. Sa présence est constamment remarquée et son rôle va au-delà des fonctions protocolaires. Lorsque son fils Jean-Claude succède à son père en 1971 à l'âge de 19 ans, la relation mère-fils est devenue encore plus visible. Avec la disparition de Papa Doc, une nouvelle phase du duvaliérisme peut commencer. Simone Ovide Duvalier va jouer un rôle de premier plan. La relation entre Simone et son fils Jean-Claude était complexe et profonde. L'influence maternelle sur la vie et le règne de Baby Doc a façonné certains aspects clés de son gouvernement et de sa perception par le peuple haïtien. La première influence de Simone Ovide Duvalier sur son fils peut être observée à travers son rôle dans l'éducation et la formation de Jean-Claude. Étant donné que celui-ci a pris la relève à un jeune âge, il est certain que sa mère a joué un rôle important dans son apprentissage politique et administratif. Nommée officiellement conseillère du jeune président à vie, elle a été en réalité la gardienne du duvaliérisme, celle qui tenait les rênes du pouvoir, la reine mère comme l'appelaient certains observateurs. D'ailleurs, elle gardera même son titre de première dame. Il suffisait de bien observer la société pour se rendre compte que les vrais dirigeants d'Haïti à cette période-là étaient Simone Ovide Duvalier et ses acolytes. Terrifiés à l'idée d'être exilés, si les duvaliéristes perdent leur contrôle sur Haïti, Simone endosse son rôle de chef de troupe en gardant jalousement l'héritage de son mari tout en renforçant son image en tant que première dame à vie. Mama Doc était présente à
tous les événements officiels aux côtés du jeune président afin d'avoir un œil sur tout et surtout s'assurer que son fils immature exécute les consignes qu'elle lui avait données. Les discours qu'il devait lire, la tenue protocolaire qu'il devait adopter, etc. Pendant que la mère gère les affaires du pays et de la famille, le jeune président, en bon flambeur qu'il était, mène un train de vie fastueux. Mais le règne de Mamadoc va être mis à mal par l'arrivée d'une autre femme, Michelle Bennett, la femme qui capte désormais toute l'attention de son fils. Jean-Claude veut l'épouser, mais Simone s'y oppose formellement. Cette union entre son fils et cette femme divorcée, déjà mère de deux enfants, ne doit pas avoir lieu. Furieux, le président à vie sous l'emprise de Michelle Bennett prend les rênes du pouvoir et s'émancipe de la toute-puissance maternelle. Évincée du palais présidentiel, la gardienne de la révolution du Valériste s'est retranchée dans sa luxueuse villa à Paco. Michelle Bennett fait donc une entrée fracassante dans le clan des Duvaliers en tant qu'épouse de Jean-Claude et devient ainsi la nouvelle première dame d'Haïti. Les rapports entre Simone Duvalier et Michelle Bennett sont alors tendus, voire parfois conflictuels. Pendant tout le règne du Jean-Claudisme, persiste une rivalité entre les deux femmes pour l'attention et l'influence sur Jean-Claude Duvalier. En 1986, sous la pression populaire et des Américains, Baby Doc est contraint de quitter le pouvoir. Il s'exile en France. Dans les premières années de son installation dans l'Hexagone, l'ex-dictateur et sa femme mènent un train de vie luxueux et opulent, dépensant sans compter l'argent pillé des caisses de l'État haïtien. Mais bientôt le vent tourne pour Jean-Claude Duvalier. Sa femme demande le divorce et ainsi commence la descente aux enfers. Et c'est dans ces moments difficiles qu'il se rapproche à nouveau de sa mère qu'il avait rejoint en exil. En France, Simone Duvalier fait profil bas et vit dans la discrétion. Elle est rarement vue en public et selon des proches, elle se languit d'Haïti et était impatiente de retourner dans son pays natal lorsque les conditions politiques le permettraient. Pendant son exil, elle vit avec son fils dans les derniers moments dans une relative pauvreté. Ruinée par son divorce avec Michelle Bennett, Baby Doc et sa mère sont obligés de trouver des combines pour survivre, accumulant les dettes et les factures impayées jusqu'à se faire expulser de leur logement pour loyers impayés. En novembre 1995, après avoir logé dans un hôtel dans les Alpes-Maritimes, ils prennent la fuite en laissant une ardoise de plus de 100 000 francs de l'époque. Le gérant de l'hôtel traque en vain Baby Doc et sa mère qui ont pris la poudre d'escampette. L'affaire s'est terminée par un dépôt de plainte à la gendarmerie et le paiement de la facture par une certaine Véronique Roy, la désormais nouvelle compagne de Jean-Claude Duvalier. Après cet épisode, Simone Duvalier emménage dans un petit appartement de la région parisienne avec son fils. Elle meurt le 26 décembre 1997 dans une clinique de Saint-Cloud à 84 ans. Simone Ovid Duvalier laisse derrière elle un souvenir énigmatique dans l'histoire d'Haïti. Son rôle en tant que première dame et son impact sur la politique du régime Duvalier devraient davantage intéresser les historiens et les chercheurs. C'est une personnalité complexe et fascinante.